Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 19e épisode, je sais plus trop, de Throne of Britannia avec le Royaume du Nord. On a fondé l'Écosse, donc la Grande Écosse, le Grand Scott. Et on s'était quitté sur une invasion viking avec un bout d'armée là qui venait d'essayer d'étouffer un petit peu pour contrer un stack de vin. Donc je vous avouerai que je suis pas très pressé de cliquer sur bataille, hein, mais il va bien falloir y aller à un moment donné. Donc allez, place au combat. On va voir, je vais la perdre. Il y a 9,5 chances sur 10 pour que je la perde. Il y a 9,5 chances sur 10 pour que je la perde. Après, il y a moyen que je m'en sorte sans trop de casse si j'arrive à me planquer dans le hameau. Mais c'est pareil, hein, faut pas le prendre pour acquis. Je joue en quoi? En normal. Je crois que je joue en normal, donc ça peut me permettre de sauver mon arrière-train, on va dire, assez aisément. Enfin, aisément, plus aisément en tout cas, que en mode difficile d'ailleurs. Ou très difficile, mais très difficile, après faut être suicidaire. Faut être suicidaire pour se lancer là-dedans, très difficile. L'IA est complètement pété, pas de par son intelligence, hein, mais de par les buffs que les codeurs lui ont donné. Mais enfin, on va pas re-rentrer dans le débat, parce qu'après je vais encore je vais avoir des envolées directes et puis ça va être moins rigolo. Alors, on peut commencer. Par contre, ce que je crains vraiment, c'est cette cavalerie. Quoique non, j'ai beaucoup de lanciers, si j'arrive à me verrouiller... Wow, 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 wow. Tu te mets ici. En carré. Toi. Ici, en carré. Toi. Là, ils peuvent pas passer. Là, ils peuvent passer éventuellement. Toi ici, en carré. Ça passe pas là, on est d'accord. Ah bah oui, forcément, Joe. Lancier ! Lancier ! Ou sinon, je recule, hein, je me mets carrément comme ça. Hein. Avec deux troupes en carré. On se replie, c'est vraiment le carré de la mort qui tue, comme on dit. Pas comme ça, toi ici. Et le problème, c'est qu'ils ont des troupes d'armes à distance. Ma cavalerie, il faut que j'aille la planquer loin. Ouais. Ouais, il n'y a rien de... Ouais, à la limite ça, hein. On va se mettre comme ça et puis il y a des que pour un. Une charge de cavalerie dans le dos de l'ennemi peut s'avérer dévastatrice. Gardez la cavalerie en réserve pour frapper les flancs et l'arrière. Contrôlez vos montures. Cavalerie, plus vite. Bon, au moins là ils sont plantés. L'ennemi approche. Voilà. Dégâts de base, ça fera un peu plus de dégâts. On le recharge moins et bonus contre la cavalerie. Merci, c'est les cieux. Tire d'arbalète en approche. Vous tirez quand vous voulez, les gars. Nous avons découvert les unités ennemies cachées. Ouais, ils sont passés les boulets. Ma petite unité là. Bien soutenir ici. Le général. Il se soutient là. Hop. Reviens ici. Je vais soutenir là. Voilà, on va faire comme ça. L'activité, elle est là. Allez, on va venir les prendre à revers. Notre général se fait attaquer. Paré pour la guerre. Là, c'est pareil. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Leur général est comment il est à pied? Il est à pied. Hop. On va attraper ces bouts de cavalerie. Voilà. Les archers en normal. On va les laisser ensemble hein, et on va les gangs ça à revers. C'est pareil, enlève le carré. Viens ici. L'ennemi a rallié ses unités. Hop. Allez, on va se faire ça. Allez. Chargez ça dans le dos. Une petite charge dans le dos qui va bien. Et après, on se replie. Ah, les lanciers, c'était pas la meilleure des idées. Voilà, là ça se passe plutôt bien. Eux, on les met en déroute. On ne cherche pas le massacre, on cherche la survie. Voilà, là on forme les carrés. Allez, on compte le général là. Faut qu'on se lance, mon général à moi. Faut qu'il aille lancer sa charge, lui. Il lance sa charge ici. Et on a aussi derrière cette feuille. On laisse ça se fait attraper, faut garder un œil là-bas. Repliez-vous. Il est dans le dos. Et on charge. Nos guerriers décampent. Ah putain, ils sont passés sur les arrières. Allez, faut qu'on se replie les gars. Ils tiennent vachement longtemps pour des archers. En même temps, c'est vrai que ma cavalerie n'est pas très nombreuse, mais bon. Voilà, on va se faire ça. Ouais, ça penche, ça penche. Allez, chargez-moi ça dans le dos. Les hommes sont en déroute. Ils battent en retraite. La bataille n'est plus en notre faveur. Il faut vraiment qu'on tue leur général. Vous voyez, il fuit notre puissance. Voilà, on va se faire ça. Vous. Hop, une petite charge là-dessus. Il n'y a plus carré qui fait que ça tient. Vous enlevez les carrés, il n'y a plus rien qui tient. De toute façon, la bataille est perdue, donc il faut pas s'appeler. J'aimerais juste tuer leur général. Et moi, ça me fait sauter une armée, j'en ai une qui arrive. Allez, venez ici, les... Enfin, vous allez regarder pas là-bas. C'est des archers en coupe de maille, ça arrive. C'est bon, l'archer. Nos hommes détalent en toute hâte, les lâches. Parés pour la guerre. Ils sont encore 46. Je me prendrais bien une petite charge dans le dos pour l'honneur, on va dire. Ah, et ben ils ont eu des renforts. Ah, les lanciers, ça c'est pas la bonne idée. Nos guerriers décampent. Préparation en cours. Regroupez-vous à l'arrière. Anéantissez-les. Allez, on va se replier, on va jouer la montre un petit peu. Ah, j'ai perdu mon général. Hop, on va se faire les archers si on arrive à les attraper. Ça va pas être palpitant, hein. C'est plus beau que faire des archers. C'est une honte. J'ai entraîné combien d'hommes avec moi? Un pour un. Un pour un. Mais j'ai bien affaibli leurs troupes. Déjà, j'ai décimé toute leur cavalerie. Leur archerie. Moi, finalement, je les ai bien amoindris. Hein. Je les ai bien amoindris. Moi, j'ai perdu l'intégralité d'une troupe, hein, mais je les ai bien amoindris. Par contre, mon or est vachement exposé. Quoi. Mon or est vachement exposé. Ouais. Vous pouvez compter sur nous. Attendez. Faites partir les navires. Ouais. Allez. On continue de leur donner l'avancée. Est-ce que je peux négocier une petite paix avec eux là? Vous n'êtes pas le bienvenu chez moi. Ouais, c'est quoi, va te faire voir. Tu vas me prendre deux fois la vie, je vais les reprendre derrière. J'ai été un petit peu grossier, vous m'excuserez. Là-haut. Sans façon. Qui se dresse contre nous, Perry? Compris. Hop. On occupe. Général. Domaine faible, oui. On va lui donner du zèle. Nous excellons dans la guerre. Personnage 2. Voilà, on va lui donner un petit peu de zèle. Nous sommes avides de gloire. J'ai quoi? Toi tu... Le sang va couler. Il nous envoie là. On va le contrer. On le contre. Excusez-moi, je reviens. Et me revoici, excusez-moi. Petite gêne. Petit massacre. Les ombres ont hâte de se battre. Leeds. Et elle est où la dernière? Elle est là, ce qui serait bien c'est que j'arrive. Pour l'honneur de Gaël. Nous sommes prêts. Voilà, on va passer comme ça. Nos ennemis monteront la poussière. On va passer comme ça. Avec de la chance, on verra pas leurs armées. Là on a chopé Lancaster. Ça me ramène de l'or et des livres. Les guerriers sont sans égal. On va choper Manchester d'abord. Donc là ça se passe bien. Ils tomberont à nos pieds. Lui dans un tour, c'est le siège. Ouais c'est pas mal, Voilà, ça arrive. Là c'est tout bon. Bon. Là encore un tour et c'est bon, la capitale au moins sera protégée. Elle est où la ville minière? Elle est là-haut. Celle-ci elle est où? Elle est là. On va pas réparer tout de suite. Par contre c'est ici. Il me faudrait 8 tours, mais au moins ça me fera un investissement pour l'avenir. Allez, c'est pas grave. Faut que j'investisse parce que sinon tout le nord va tomber, il va falloir reconquérir tout. Face à ce stack. Donc vous voyez, hein, ils ont gardé les cavaliers et leurs tirailleurs archers, mais tout le reste a été entamé aussi. Donc c'est vraiment pas les mêmes... Voilà, donc là c'est pas mal, je vais pouvoir reprendre ma province. Il y a celle-ci qui ne m'appartient pas encore, mais qu'il faudra que j'aille chercher à un moment donné. Et je pense que je vais m'arrêter là, de toute façon je vais pas chercher à descendre plus au sud que cette zone. Je vais prendre Leeds. Là j'arrive pas à savoir encore ce que c'est, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Leeds et over... Mais c'est laquelle celle-là? Ah c'est une mine, elle est où? Ah non, celle-ci il faut que je la prenne. Ouais c'est pareil. C'est pas mal, ouais, oui, allez, on passe le tour. Pour l'instant vous n'êtes pas très nombreux à avoir regardé l'épisode où je vous pose la question, ça doit être le 17. Ou le 16, je sais plus d'ailleurs, je vous posais la question sur la qualité de la vidéo, donc n'hésitez pas à me répondre, hein, Du coup, vu que j'ai pas de réponse, je pars du principe que ça vous va. Ouais, ils sont vraiment venus faire les ports. Bah partez à l'ouest, moi je m'en fous, je reprends la cité. C'est compris. Je m'en charge. On occupe. Et on repart en chasse. On répare. Celle-ci je vais pas la réparer, de toute façon j'ai pas l'argent. Bon, de toute façon là ils pourront pas siéger tout de suite. Il y a une petite troupe de garnison quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va falloir que je recrute un bout d'armée de toute façon. Ouais, avec les sous-budgets de toute façon c'est pas la peine. J'ai rien. Nous excellons dans la Voilà, on va l'envoyer. Une histoire de 2 tours. Je sais qu'ils sont pas complets, j'ai pas pu fusionner ces deux-là. 11 tours. Mais mes troupes ont vraiment souffert en mer. Mais bon, il leur faut en théorie 2 tours. Ouais, enfin bon, on va les faire là, ils vont reprendre un poil plus d'hommes, puis après on va repartir à la conquête, on n'aura pas grand chose pour eux. Gouverneur, ah faut que je fasse gaffe à la petite. On va chercher un poil dessous. Et un gouverneur, pareil. Hop, un poil dessous. On va regarder les provinces, c'est pas ça que je voulais. Action. Gouverneur et le domaine. C'est qui le gouverneur ici? Il n'y en a pas. Je peux en recruter un ou pas de gouverneur? Aucun gouverneur. Aucun gouverneur. Ben, je vais donner la terre à mon fils. Faction. Domaine. Mon fils, il est là. Toi, tu veux un domaine, je t'en donne. Et voilà, c'est tout bon. On a temporisé jusqu'à la prochaine conquête. Jusque là, c'est pas trop mal. Et on va passer le tour. Donc on notera que mon économie... Ah, j'avais pas fait bouger lui. Ah oui, j'avais déjà passé le tour. Comme quoi, heureusement que j'avais donné les ordres à l'avance parce que j'aurais perdu un tour bêtement. Oui. Pour info, j'ai été dérangé par mon fils qui pleurait. C'est pour ça, mon grand bonhomme. Du coup, là ça se replie. Je vais réussir à les bouffer. Là, je vais refaire un traité de paix, le temps de me refaire peut-être. Quoique non. Et bien, je vais redescendre. Mon influence à moi, elle est combien? Moi, pour 6 tours. Faut aller, pourquoi pas. Allez, vas-y. Je vais poser une gueule. Vas-y. Gouverneur. On va te donner un peu de... Ça, on n'a pas besoin. Hop. Un peu de bonheur, un général. Son épouse lui donne du moins 1. Il est compensé. Un coup de bonheur quand même pour les provinces où il y a les généraux. Ça fait pas de mal. Franchement, ça fait pas de mal. Voilà, 2 tours. Bah oui, par exemple, j'ai oublié de bouger. Là on a tout, on a des mines, gouverneur, pareil un coup de bonheur pour les provinces, ça mange pas de pain. Au niveau des impôts, après il faudra que je regarde la chouille à mon petit. Ouais, je vais récupérer du bonheur. Bah, éventuellement hein, autant récupérer un bonus et remis de vie, un plus 15%, ça me fera des sous en plus, après je partirai sur l'agriculture. Est-ce que la prendre ou pas? Non, on va attendre. Chargez. On va attendre. Au prochain tour, on pourra la prendre. Là, 2 tours. Donc, ce sera pas encore bon. Là-haut, l'armée, il faut que je donne l'ordre de bouger. Lui, du coup, il peut pas se renforcer. C'est l'avantage. Là, ce sera pas mal. Voilà, ça, ça me permettra d'avoir un coût d'entretien moindre. Et je vais aussi par là, il me semble. Oui, un coût d'entretien moindre. Donc, si je laisse mes armées en garnison, je laisserai une troupe en garnison là ou là-bas. Ça me coûtera moins cher en entretien. Faut que je répare, du coup. Qu'est-ce que je peux construire par ici? On peut se permettre. Je gagne un petit peu de sous, je vois un peu si je peux pas développer une autre région. On a quoi? Un facteur de récupération de troupes plus grand. Et par ici éventuellement. Ouais, là c'était pas le moment de le faire. Je peux me prendre un moins 2 supplémentaire, c'est pas gênant. Allez, il me faut des capitales. Hop. On va essayer, comme ça au prochain tour on en pique encore un peu. Et on va voir pour essayer d'avoir la paix, ce serait bien. Pour que la ferveur remonte un peu là. C'est vrai que le fait d'avoir une armée en territoire dans mon territoire, ça plombe un peu les choses, mais bon. Que voulez-vous? C'est ainsi que va la vie. Ah. Il commence à se chier dessus. Eux, j'en ferai peut-être des vassaux par contre. Gouverneur. Attends, ça se passe comment là-haut? Le bonheur est bon. Un bout d'église. Non. Éventuellement... Oui. Pour sécuriser, vu que j'ai pas d'armée là-haut, pourquoi pas, ça oui. Et du coup, le gouverneur, du bonheur, on n'a pas besoin, on va partir sur les sous. La loyauté est assurée, tout va bien. Le gouverneur de Godball, c'est ici. Pareil, on a du bonheur. On va niveler les sous. Voilà, ce sera pas mal. Moi, là où j'ai une armée, et si je vais peut-être me garder ça pour le prochain épisode, l'armée, là, qui va partir à la conquête de la troupe, qui est là-haut. Toi, on te rapproche. Voilà, là on y va, on s'approche. Je me suis auto en agressif. Et puis on va, je pense qu'on va faire une fête, parce que j'ai mes armées qui commencent à souffrir. Ah, faut que ça va, tiens. Ah, les salauds, c'est tout. Pourquoi c'est tout cassé? Le siège? La mine, c'est bon. Et la dernière cité de la région, on est où? Bon, on va se laisser, là-dessus, comme d'habitude, c'est pas grave, partagez, commentez et vous...